merci à tous les patriotes congolais particulièrement qui vont suivre cet échange que je vais avoir avec vous. Je suis là surtout parce que, comme la plupart des gens ont pu le remarquer, la PARECO a lancé une série de manifestations, de sittings plus précisément, au niveau des ambassades du Rwanda, ici à l'extérieur du pays. Le président de la PARECO a donné des instructions effectivement dans ce sens, parce qu'il est important aujourd'hui que nous de la diaspora, nous puissions faire le travail qui va appuyer le combat que mènent les résistants à l'intérieur du pays, du moins à ce niveau-là. Comme chacun a pu le remarquer, le Rwanda a beaucoup fait au niveau du lobbying à l'extérieur du pays. Sûrement pendant longtemps, les Congolais étaient un peu distraits et on leur a donné peut-être un peu d'avance. Mais depuis quelques temps, nous avons tous, enfin j'ai vu, il n'y a pas que la PARECO, il y a plusieurs mouvements, plusieurs Congolais. Nous avons intensifié, nous essayons d'intensifier tout le travail que nous faisons à l'extérieur pour remettre les pendules à l'heure, pour rappeler au monde que c'est bien le Rwanda qui a agressé la RDC, pour rappeler au monde que rien ne se fera dans ce pays-là sans tenir compte de la volonté des Congolais, pour rappeler un peu à tout le monde que c'est bien nous qui subissons un véritable génocide aujourd'hui et pas ces bourreaux rwandais qui essaient de faire croire l'inverse. Si aujourd'hui nous avons 12 millions de Congolais, d'après les chiffres tantôt de l'ONU, etc., nous avons au moins enfin, entre 6 millions pour les uns, 12 millions pour les autres, mais peu importe, il y a des millions de Congolais qui sont morts aujourd'hui. Ces morts-là sont bien des morts des victimes congolaises, particulièrement à l'est de notre pays. Donc il s'agit de remettre les choses à leur place, mais pas seulement, parce qu'il y a des gens qui sont déjà au courant de tout ça, nous le savons. Il y a des gens qui ont même plus d'infos que les Congolais à ce sujet. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi de leur faire part de notre détermination à libérer notre pays. Nous ne laisserons pas faire, nous n'avons qu'un seul pays. Et le sang qui a coulé, c'est bien le sang des Congolais, c'est notre sang. Et il n'est pas question que nous tous nous devenions un peu les victimes du Rwanda et que nos enfants aussi deviennent les victimes du Rwanda. Il n'est pas question que pour les générations futures, nous leur offrions que comme avenir des massacres, des viols et des pillages, etc. Notre génération doit mettre de l'ordre dans ce qui se passe en RDC. Le Rwanda qui s'est donné comme objectif de coloniser en quelque sorte la RDC, le message que nous allons porter, déjà que nous portons et que nous allons intensifier, et directement au niveau de l'ambassade du Rwanda aussi, c'est bien celui de dire que si nous avons rompu, si les Congolais se sont battus contre la colonisation belge, c'est pas pour qu'aujourd'hui nous soyons colonisés par le Rwanda. Donc c'est un peu le message que nous emmenons. Bon, je sais que j'ai entendu des gens qui disaient oui, le Rwanda un petit pays, pourquoi vous allez aller faire des manifs devant l'ambassade du Rwanda qui est un petit pays, mais enfin, la capacité de nuisance du Rwanda aujourd'hui par rapport à la RDC, je ne vais pas vous faire un dessin, si on commence à compter nos nombres de morts en millions, le pillage de nos matières premières, etc., un équivalent de je ne sais combien de milliards de dollars ou d'euros que nous perdons à cause de ces pillages, etc., ça montre bien que ben oui, c'est pas la taille en superficie de l'adversaire qui compte, c'est la capacité de nuisance. Or aujourd'hui, Kagame et tous ceux qui sont derrière lui, parce qu'il n'y a pas que le Rwanda, il y a tous les lobbies qui sont là et qui profitent de la situation, leur capacité de nuisance aujourd'hui, je ne vous ferai pas un dessin, elle est énorme et ça nous coûte cher en vie et tout le reste. C'est un peu ça le message que nous amenons et c'est d'autant plus important que nous le fassions ici en Occident, parce que le Rwanda est un pays, mine de rien, qui attire souvent les médias, qui suscite beaucoup d'intérêt au niveau de la communauté internationale et à juste titre. Ils ont fait un travail de lobbying qui a payé et ils sont souvent un peu au cœur comme ça de la médiatisation, etc. Donc tout ce que nous pouvons faire par rapport à eux directement, il y a des chances pour que ça ait de l'impact. C'est le rôle que nous avons joué. Et aujourd'hui, il y a un génocide qui est en train de se dérouler en RDC. Kagame, dans les jours à venir, n'a qu'une intention, c'est d'intensifier ce génocide. Et nous devons nous lever pour ça. Aujourd'hui, tous les Congolais sont devenus comme des espèces menacées, simplement parce qu'ils sont Congolais et qu'il y a des gens qui ont décidé de faire main basse sur notre pays. C'est à nous de dire non, c'est à nous de nous battre. Nous devons être les premiers à être au front. Aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de faire croire aux Congolais que notre pays est en paix. Notamment celui qui vient d'arriver là-bas, Félix Tshisekedi, dit qu'il fait le boulot, peut-être on en parlera après. Mais nous, le message que nous devons donner aujourd'hui, c'est que
depuis que le Rwanda a commencé à agresser notre pays avec d'autres pays derrière et d'autres lobbies, etc., la guerre est toujours, la RDC est toujours en guerre. Il ne s'agit pas de se dire qu'on a envie d'être en paix, simplement de vouloir faire la paix. Pour faire la paix, il faut être deux. Aujourd'hui, le Rwanda n'a pas l'intention de faire la paix avec la RDC. Je parle du Rwanda, en tout cas du régime de Kagame. Toujours la Est-Kunatomoni, Mobulu, trouble, toujours ça continue. Mais aussi, la population, Bazali, qui a manifesté, Basengi soutient il y a président Félix Tshilombo. Et aussi, Bazao Senga départ il y a MONUSCO. N'a pas récolté le biboni. La pareko to lobby que to sepeli comment la bande konde bazo telema. Ça c'est une bonne chose qu'ils puissent se mobiliser comme ils font là, c'est quelque part ce sont déjà les prémices, il y a soulèvement populaire ou tout ça qu'on préconisait. Malheureusement dans leur message ce qui reste un peu qui porte un peu à discussion, c'est plutôt le fait qu'ils demandent à quelqu'un comme Félix Tshisekedi de les aider. C'est là où on se rend compte qu'ils ont peut-être pas compris le véritable rôle de Félix Tshisekedi dans notre pays actuellement. Nous l'avons comparé à Pétain ici en France. Pétain, c'était celui c'est un collabo. C'est celui qui a accepté l'occupation allemande. C'est celui qui a essayé. Azako, il fait Pétain, Azamuto, Alingaga, mais ma bande connaît, d'abord Wumbu. Que bah allemand bah konza bango les lots seront lookés à table balabala moko bien si kamoko bah pesa kombo à Pétain exacté parce que pour la bango ils ont estimé que c'était de la trahison et nous c'est pareil. Félix c'est un traître, c'est pas un traître qu'on va lui demander de nous aider, il est là pour faire ce que ceux qu'il a choisi comme mentor, comme maître lui demandent de faire. Or lui il a dit clairement bah partenaire n'est comme l'ango bah rwandais, partenaire n'aye les anango kanambe etc. Donc on ne peut rien attendre de Félix. Félix il est là, il laisse croire aux gens que Hazan Hazan libre peut-être d'agir, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas libre d'agir. Et la réalité, c'est qu'il est pieds et poings liés. Il a fait le choix il a choisi cette illusion de pouvoir, mais au détriment de la liberté des Congolais, du bien-être des Congolais, etc. On ne peut rien attendre de quelqu'un comme ça. Et concernant ce que nos compatriotes ont demandé pour la MONUSCO, effectivement, la MONUSCO, on doit quand même commencer à se poser des questions sur leur véritable rôle dans notre pays. On entend, c'est une force soi-disant de maintien de la paix, mais quand on regarde le bilan au bout de tant de temps, on a plutôt l'impression que c'est une force de stabilisation de l'occupation. Et avec un budget de plus $1 milliard par an, on peut réellement se demander quel a été le résultat. D'ailleurs, on a vu même Madame Nikki Haley, quand elle a pris ses fonctions, elle avait déjà stigmatisé cet aspect-là. Elle avait même précisé, elle a dit que non, la MONUSCO, finalement, pendant des années, ils ont plus aidé le gouvernement en place, à savoir Hippolyte Kanambe, plutôt que de venir réellement en aide à la population. Donc le rôle de la MONUSCO chez nous pose question, parce qu'avec un budget comme celui-là de plus $1 milliard de dollars par an, les Congolais peuvent se poser la question. Nos militaires qui ont des fois des salaires de $60 par mois, etc., avec un budget comme ça, peut-être qu'il vaudrait mieux encore le garder pour nos militaires et ils feront le travail. Donc on se rend compte que finalement c'est tout un système et la MONUSCO fait aussi partie de ce système qui quelque part met notre pays à terre et qui fait que nous avons perdu la souveraineté de notre pays. On a des gens qui sont à la tête du pays, donc le régime d'occupation, et de l'autre côté, la MONUSCO, les membres de la MONUSCO travaillent finalement en accointance avec ce régime. Donc on doit vraiment se poser des questions, et la réalité est que les Congolais ne doivent compter sur personne, ils doivent compter sur eux-mêmes. Le soulèvement populaire que nous préconisons pour mettre fin à l'occupation dont nous souffrons tous aujourd'hui, le soulèvement populaire, c'est pour que les Congolais reprennent réellement les rênes de leur pays, que ce soit par rapport à la sécurité des gens, que ce soit par rapport à notre économie, etc. Donc il y a toute une équipe de personnes qu'il faut mettre dehors pour que les Congolais soient eux-mêmes les véritables acteurs de leur pays. Mais on parle des Congolais, des patriotes, pas ceux qu'on voit là, on voit même des gens de la diaspora qui se précipitent pour rentrer, etc., comme si notre pays était en paix. Ils font le travail que Félix leur demande de faire croire, de faire baisser la garde aux Congolais, parce que c'est aussi une stratégie de guerre que de faire croire aux gens qu'on est en paix alors qu'on ne l'est pas. Donc on voit comme ça, il y a tous ces gens qu'on appelle, pour faire court, des collabos, qui sont en train de faire en sorte que notre pays reste assujetti. Et c'est à nous, les Congolais, de nous battre pour que ces gens-là ne puissent plus continuer à nuire autant à nous, les Congolais qui vivons aujourd'hui, et à toutes les générations futures, puisqu'ils sont en train d'hypothéquer justement l'avenir de toutes les générations congolaises à venir.
Donc voilà un peu. Bah écoutez, j'insiste encore pour que nos compatriotes soient nombreux au sitting que nous avons, que nous organisons. Nous sommes dans la diaspora, nos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays font ce qu'ils peuvent. Nous qui sommes ici, nous pouvons aussi faire ce que nous pouvons, à savoir faire entendre leurs souffrances, faire entendre leur voix auprès de différentes instances ici et montrer au monde que non, les Congolais sont debout, les Congolais sont prêts, sont déjà en train de se battre pour reconquérir leur souveraineté et nous allons y arriver. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui pourra se lever contre ce peuple-là. Tout ce qui a été fait en RDC, ça a été grâce à l'ignorance qui était entretenue dans la tête des Congolais. Mais gloire à Dieu, le président Lapareko et d'autres compatriotes se sont battus pour rompre avec cette ignorance. Aujourd'hui, tout le monde sait que le pays est occupé. À partir du moment où on commence déjà à avoir le même langage là-dessus, ça veut dire qu'en bientôt, on aura aussi les mêmes solutions là-dessus et on va pouvoir mettre un terme à tout ça. Ingeta.